Iba, ton évaluation est toute sale. Mais maîtresse, pourtant, je n'ai écrit que des noms propres, comme vous nous l'avez demandé. C'est bon. C'est bon. Je peux savoir ce que vous faites là? Vous voyez bien, j'ai le moment d'apprendre ces tables. C'est n'importe quoi. Mais pas du tout, maîtresse. Vous m'avez dit qu'il fallait que les tables de multiplication entrent une bonne fois pour toutes dans ma tête. Alors voilà. Ah oui, et ça marche? On commence tout juste cette méthode. Ah, eh bien, je t'interrogerai demain matin. On verra si elle marche vraiment. Votez pour moi et je serai un bon dégueulé. Délégué. Quoi? Délégué. Ben, c'est ce que j'ai dit. Dégueulé. Bon, bref, votez pour moi. Bon, Anna, ça suffit. Au coin. Quand je serai grande, je serai maire de la ville. Comme ça, je construirai des écoles rondes pour pas que les maîtresses nous mettent dans des coins. Votez pour moi, je vous donnerai des sous. Je ne sais pas où je les prendrai, mais ça, on s'arrangera après. Où habites-tu? Chez mes parents. Oui, mais où ils habitent tes parents? Ben, chez eux, pourquoi? Laisse tomber. Votez pour moi et je ferai tous vos devoirs et toutes vos punitions. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Ça va pas à la tête? Les enfants, dites, vous avez trouvé mes photocopies? Vous avez trouvé mes photocopies? Ah non, ça ne va pas recommencer, dites donc. Donc. Désolée, maîtresse, c'était trop tentant. Dites, vous nous pardonnez? Vous nous pardonnez? Bravo, maîtresse, bien joué. Bon, et mes photocopies alors? Elles sont là! Qu'en dites-vous? Vous? Oh, c'est bon! Votez pour moi, mais je sais déjà que je vais être élue, c'est écrit dans mon horoscope. Aujourd'hui, en art plastique, je vous demande de dessiner un personnage réel ou imaginaire que vous aimez bien. Yes! Faites-le le plus réaliste possible. Montrez-moi vos dessins. Super. Fares, tu n'as rien fait? Mais si, maîtresse, vous ne le reconnaissez pas? Tu te moques de moi, là? Pas du tout, maîtresse. J'ai dessiné en invisible. Votez pour moi. Si tu ne sais pas pourquoi, moi, je le sais. Iba, je te rends tes évaluations. 5 sur 20 en maths. 6 sur 20 en français. 7 sur 20 en histoire. Et 3 sur 20 en sciences. Avec les notes que tu as, tu vas drôlement te faire engueuler par tes parents. T'inquiète pas. Alors, comment ça s'est passé avec tes parents? Mes parents, très bien, ils m'ont félicité. Ah bon? Oui, je leur ai dit que j'ai eu 21 sur 20, mais je n'ai pas pensé que t'avais 4 évaluations différentes. Ah ouais, trop forte. Dis-moi, Isra. Moi. Quoi? Moi. Non, mais dis-moi. Moi. Mais enfin, pourquoi tu dis moi? Mais maîtresse, parce que vous me demandez. Mais non. Mais si, vous me dites dis-moi, alors je dis moi. Bah oui, c'est logique. Ben oui.